il y a 4 ans pendant un voyage en Italie où j'avais besoin de réparer la moto et c'était pendant la canicule. Et je me suis dit, il y a bien un gars qui va mettre un bar avec un atelier moto ou un atelier moto avec un bar. Et c'est comme ça que l'idée est née. C'est de créer un lieu d'échange de passion, quelle que soit la passion, autour de la moto ou pas, c'est autour de la moto, c'est autour de la musique, c'est autour des voyages. En tout cas, c'est autour de quelque chose qu'on peut échanger, c'est un lien social qu'il s'agit de créer ici. Alors l'atelier moto, c'est la mise à disposition d'un atelier pro avec un pont, avec tout l'outillage en côte Amérique et en côte Europe, ce qui permet de faire les réparations de bord de route dans de meilleures situations et puis de faire des réparations côté cycle en fait de la moto. Alors tout de suite, l'idée de la musique est venue s'intégrer dans le projet du bar, puisqu'on a une grande scène, on a une grande salle. Puis l'idée, c'est de faire du partage, et la musique, c'est l'élément de partage numéro 1. On retrouve tous les samedis soirs des concerts Eurotrip Café, mais aussi toute la semaine, sur une scène ouverte, des instruments qui sont à disposition pour les clients, pour simplement faire un bof entre potes. Et puis toujours dans cette idée de partage, qu'est-ce qu'on partage le plus sympathiquement possible? C'est la bière. Donc ici, on retrouve une belle collection d'à peu près une quarantaine de bières différentes et puis 7 becs à la tireuse avec des bières qu'on a choisies un petit peu originales qu'on veut pas retrouver ailleurs en fait. Donc venez tester le concept du Road Trip Café, venez tester notre atelier, venez vous amuser sur notre scène ouverte, venez tester les bières entre potes et venez échanger avec nous.